C'est certain que cette année, on est beaucoup plus à maturité que l'année passée. L'année passée, on avait plus que 50% de nos joueurs qui étaient des recrues. C'est encore le même cas cette année, sauf que c'est sur un ratio de 65 joueurs. On a 37 nouveaux joueurs. Par contre, on a un bon noyau de vétérans là, qui est de retour. Les deuxièmes années qui ont leadé l'équipe cette année sont rendues leur troisième année. Ont pris beaucoup d'expérience sur le terrain, beaucoup de leadership. Aussi, avec nos premières années, on était cherché vraiment du talent. Puis du leadership, là, c'est quelque chose qui se fait ressentir sur le terrain. Faut jamais oublier là, que c'est collégial Division 1, c'est la meilleure ligue au Québec. C'est ultra compétitif, la ligue est très, très, très paritaire, mais avec le talent qu'on a, c'est vraiment un objectif envisageable. Notre ligne offensive est un peu jeune, contrairement à l'année passée, mais on peut vraiment réussir à compenser avec le talent qu'on a au poste de receveur et de porteur de balle. En tant qu'offensive, je veux avoir la meilleure offensive de la ligue. Puis ça, c'est l'objectif que Samuel partage avec tous les gars de l'attaque. On travaille dans la même direction. On mise beaucoup sur l'exécution. On veut que tout le monde sur le jeu fasse son travail. Puis si on réussit à faire ça, bien, c'est sûr que l'objectif d'être la meilleure offensive de la ligue, c'est réalisable absolument avec le talent qu'on a. On a un bon bassin de vétérans. C'est sûr qu'on a le talent, puis c'est du côté de la ligne qu'on est un peu plus jeune, là. Mais les gars, tu sais, ils vont suivre le leadership des vétérans à 100%. Ils ont vraiment une bonne attitude, puis tu sais, ils sont prêts à mettre le travail qu'il faut pour exceller.